phrase du Loup, c'est un petit opéra, peut-être le plus petit opéra qu'on connaisse dans l'histoire de la musique. C'est vraiment un opéra miniature. Hein, c'est une histoire assez terrible. Hein, c'est un garde-chasse hein, qui a épousé récemment une jeune et belle femme. Autour de cette maison isolée, il y a des traces, la nuit, des traces de loups dans la neige. Quelqu'un rôde autour de la maison de ce couple, de ce nouveau couple. Le garde-chasse se décide à faire une traque, hein, de sortir et d'attendre le loup. C'est des poésies amoureuses. Hein. Si pour m'échapper tu te fais poisson, moi je vais devenir pêcheur. Si tu te fais fleur, moi je vais me faire jardinier, etc. etc. Donc il y a une sorte de quête comme ça, de course, un petit peu en cercle. C'est sur les relations entre la musique populaire et la création. Donc comment des compositeurs comme Dvorak, Janáček et Brahms se sont emparés de leur propre tradition pour l'intégrer à leur propre musique.